On fait triplette, hein ? Triplette de boules, de boules, de boules. Ça peut en étonner plus d'un. Christophe adore la pétanque. Qui plus est, il y joue bien. Petit-fils d'immigrés italiens, il est un peu méditerranéen. Eh, déjà là, ça la va. Arrange-toi avec. Moi, ça fait un moment que j'ai pas joué parce que j'étais plus concentré dans ma petite entreprise de recherche de nouvelles machines, de synthétiseurs, de sons, de tout ce qu'on veut. Mais j'avoue que ça me manquait. Depuis que j'ai repris quelques concours, ça me donne vraiment envie de rejouer. L'univers bleu électrique du chanteur romantique colore depuis toujours ses albums. Le dernier est intitulé « Aimer ce que nous sommes ». Christophe, narcissique peut-être, mais le regard toujours tourné vers les autres, il se nourrit de leurs histoires. C'est vrai que les histoires des autres m'intéressent, quoi. Il n'y a que ça qui m'inspire, c'est comment ça déclenche les choses. Le déclenchement, c'est une petite étincelle de quelque chose, un regard sur une petite comme ça, qui prend ce qu'elle a, comme ça, qui rentre dans l'école et qui est trop mignonne, et puis voilà. Hein. Impressionnante, comme jamais, sur un banc, face aux lèvres. Une autre histoire, celle d'une rencontre fortuite avec un artiste peintre qui l'invite à venir voir ses toiles. La peinture, une des facettes méconnues du chanteur. Moi j'aime les peintres, ils font de la peinture érotique. Je joue comme ça. Vous voyez ? Ça j'aime bien. J'ai peint une époque entre 18 et 22 ans. Et j'ai vendu toutes mes toiles. Et des fois j'aimerais bien les retrouver. Et au milieu des tableaux, il y a un piano. Très très jeune, quand j'avais 13 ans, j'écoutais que du blues. J'écoutais Brassens. Pour moi, Brassens est le meilleur bluesman qu'il y a eu en France. Et après, naturellement, j'ai fait attraper par les grands Hooker, Lionel Hopkins, Son House, J.B. Lenoir, tous les grands du blues, quoi. Et j'écoute toujours du blues puisque je suis collectionneur de jukebox et je suis collectionneur de 78 tours de jazz et de blues. Christophe ne renie rien de ses grands succès. Aline, les marionnettes, les mots bleus, à chaque spectacle, il les offre à son public. Christophe, chanteur généreux, ça, on le savait déjà.